À la première édition, c'était un match aller éliminatoire. Maintenant, c'est aller-retour. Et ça regroupe les 6 arrondissements de la commune de Hyogbu. Ça a commencé aujourd'hui, le 30 juillet, et ça prend fin le 3 septembre prochain. Je tiens à remercier le promoteur, le DG Donald Alessis, qui donne toujours la joie à la jeunesse. C'est sa 3e édition. Je prie Dieu pour qu'il lui donne l'énergie, la force de faire naître à chaque année une réjouissance à la jeunesse sahraouine. C'est une très bonne initiative qu'un fils de terroir pense regrouper les jeunes quand même de la commune pour leur permettre d'abord de passer de bonnes vacances. Ensuite, de voir la finalité, comment pouvoir sortir une équipe communale pour les compétitions à venir. Comme son nom l'indique, c'est le tournoi de solidarité pour fédérer les filles et fils de la commune de Hyogbu. Vous savez, on dit souvent que le football réunit les peuples. Nous sommes un peuple souvent divisé par la politique. Mais nous nous sommes dit, d'abord à l'Union progressiste, qu'il faut un creuset qui puisse réunir les filles et fils de Hyogbu. Et après, ça prend toutes catégories confondues, toutes les obédiences de la commune. Désormais, ça ne porte plus le nom d'un parti, mais ça porte le nom de la commune qui réunit les fils et filles de Hyogbu pour pouvoir se regrouper, se retrouver autour de l'idéal qui est le sport, afin que nous puissions passer par là pour des perspectives de développement de notre commune de Hyogbu. Nous avons dans le comité de réunion les gens de tous les bords politiques. Aujourd'hui, c'est la preuve que déjà ça avance. C'est progressivement, on aura le résultat. C'est toujours intéressant de se retrouver dans un creuset, surtout le cadre sportif où tout est fair play. Tout est dans une ambiance bon enfant, où on laisse de côté toutes nos divergences et où on se retrouve en famille. Et c'est ce qui fait que nous apprécions à sa juste valeur cette initiative.